Alors bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors on commence toujours l'entraînement par un échauffement. Donc l'échauffement 10 à 15 minutes. Donc on fait beaucoup de cardio et beaucoup d'exercices type calisthenics allégés. Donc c'est très important l'échauffement, ne négligez surtout pas cette étape de l'entraînement. Allez, on va passer à la partie principale maintenant. Donc là on fait 4 séries de 7 dips. Alors il faut savoir que notre objectif c'est d'en faire 15. Donc là peut-être dans un mois on sera à 15, mais pour le moment on est à 7. Donc je suis assez content parce que d'habitude je fais 3 x 5. Et là aujourd'hui j'étais chaud de night. Alors mon frère lui il en fait un peu plus que moi il me semble. Lui il est à plus sur du 4 x 10 il me semble, j'ai pas envie de dire de conneries. Donc voilà, aujourd'hui c'était une belle journée, on était en fin de journée comme vous pouvez voir. Exercice suivant, donc là on est sur 4 séries de 8 tractions. Donc toujours pareil, tant qu'on n'est pas à 15 on complique pas l'exercice. Là on est à 8 tractions et j'espère que la semaine prochaine on sera à 10, 4 x 10. Donc c'est l'objectif on va dire. Mais faut savoir que quand j'ai commencé j'étais à 4 x 5 et encore 4 x 4. Donc j'ai quand même bien progressé en 3 semaines. Comme quoi le calisthenics on progresse vite si on veut. Hop, exercice suivant, 4 séries de 15 pompes. Donc là j'ai écrit lentement parce que je les fais hyper rapidement. Et donc c'est super facile de les faire rapidement. Et vous verrez que si vous les faites lentement c'est beaucoup plus dur. Parce que là je profite de l'effet levier. Donc c'est un exercice indispensable pour les débutants, notamment en calisthenics. Allez, pour le kiff, fin de l'entraînement, on s'est fait quelques handstands, c'est la catastrophe. Oui, oui, oui. Alors moi, regardez, dommage. Vous allez voir, je vais faire une chute, et hop, ça dégage. Et mon frère qui est un peu plus chaud, il est presque, mais non. Allez, exercice suivant. Alors là, pareil, entraînement back lever. Alors moi, je pensais que je réussissais. J'ai pensé avoir accompli cette figure, mais en fait, pas vraiment. Mon dos est pas du tout parallèle au sol. Du coup, c'est la catastrophe. Je viens de me rendre compte que j'ai beaucoup de boulot et j'ai encore beaucoup de choses à faire. On dirait un L-sit à l'envers. Allez, mon frère qui fait aussi le back lever. Donc là, il arrive aussi un peu. On nous dans en PLS, hein, on a du mal sur cet exercice. En même temps, on est qu'à 3 semaines de calisthenics, donc ne brûlons pas les étapes. C'était juste pour le fun. Allez, alors là, c'est le muscle up. Donc moi, personnellement, j'arrive pas, mais mon frère, il est chaud. Regardez, vous allez voir. Regardez ça. Alors là, il se prépare. Allez. Allez, hop, accompli. Bravo, il a réussi. Moi, je vais pas le faire parce que c'est ridicule. Je sais pas du tout le faire. Peut-être dans un mois, je vous ferai la vidéo muscle up. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous regarderez les prochaines. Au revoir.